I've played many different brands and horns, and I really felt when I first picked up the Buffet, I felt like I found my sound. It's extremely versatile, and I wouldn't play the instrument if I didn't think so, because especially as a baritone player, you want to have flexibility in your sound. It's like this really wonderful idea of tradition, but also modern sound. Si Buffet Crampon a 190 ans aujourd'hui, c'est pas par hasard, je pense. Ça fait 190 ans que cette marque existe. Enfin voilà, il y a un passé qui est bien rempli et on est héritiers, les héritiers de tout ça, oui. Oui, ça c'est sûr. Oui. Nous, le saxophone, c'était un peu une renaissance avec le Senzo, parce que la production avait quand même pas mal diminué, on en fabriquait beaucoup moins. Et il y avait vraiment besoin d'un sursaut et de relancer un bon sax, quoi, en fait. Hein. Buffet Crampon avait une tradition de fabrication du saxophone par le passé. Il y avait le S1, il y avait surtout le Super Detection, qui est un modèle antérieur. Nous avions les outils, nous avions le savoir-faire, et il nous a suffi voilà, de réactiver ces savoir-faire. Quand on a décidé de sortir un nouveau modèle de saxophone, donc le Senzo, ça a pris un certain temps parce que bien sûr il y a des essais sur des prototypes. Et une fois qu'on a validé un prototype, après il y a l'industrialisation avec des nouvelles machines, etc. Et donc tout ça prend du temps et surtout qu'on est toujours à la recherche du meilleur, quoi. Les instruments, une fois qu'ils sortent de l'usine, voyagent dans le monde entier. La grande qualité du travail se ressent partout. Bah là, on est assez fiers de ça parce qu'il a beaucoup de succès et ça continue. Donc, La fabrication d'un instrument de musique, c'est comme la musique. Je crois qu'on n'a jamais terminé, on n'aura jamais fini. So my name is Jochen Calvert and Julius Calvert, which is our saxophone brand. This was founded by my grandfather in 1925. As it's the brand of my grandfather, I'm always open to discuss also about the saxophone. I used to play the alto saxophone. I wanted to try the soprano, but I tried lots of different sopranos and it became obvious that Calvert was the one. Many, many other, whatever you do, you've got the color. The Calvert saxophone, you built your sound, it's you. It's like I said, I feel it's really my voice. I've got a strong connection with the instrument. You right. Like the sound, you gotta take a handle. But now I'm yet another developer. In a certain way, it's the Liebman saxophone produced by Kyle Worth with my suggestions, improvements, and you know my aesthetic. But you know, I play jazz, it's an expressive music. It's very emotional music. I need a range from very loud to very soft, very quickly, etc., etc. I need a lot of colors to paint my pictures, and they're able. This saxophone is able to do it. I mean, that's really why I'm with Kyle Worth. It has the ability to really change colors and tell a different story. I mean, it's me doing it, but the instrument enables me to do it.